6,5, mettons. Je me dirais peut-être 6,5 sur 10 que je suis émotif. Je crois que sur une échelle de 1 à 10, mon niveau émotif serait environ à 3, 4. Je suis pas hyper proche de mes émotions. Je me considère pas comme une personne émotive. Je me considère peut-être à 3, 4... 5? Ah, un bon 8-9 quand même. On me dit souvent que je suis, comment dire ça, trop froid. Il faut que je devienne plus empathique. Je me donnerais un 7 quand je suis triste. Il y a des petites larmes qui vont tomber. Quand je suis choqué, ça va paraître que je vais être choqué. L'émotion qui me dérangerait le plus, en guillemets, qu'une autre, ça serait la tristesse slash la solitude. L'émotion qui me dérange le plus, ça serait une émotion de frustration. Justement parce que j'ai le goût de me pousser encore plus loin, puis quand je réussis pas, ben je suis frustré après moi-même parce que justement j'ai pas réussi, fait que ça m'énerve un petit peu à l'intérieur de moi là. Je les accepte tous, que ça soit triste ou que ça soit heureux. Je trouve qu'il y en a aucune à éviter. L'émotion qui me dérange le plus, c'est la tristesse. Moi, c'est quand j'aime pas pleurer en public. Et si un jour je pleure en public, c'est parce que... Ça veut dire être vulnérable. J'aime pas être vulnérable. Moins que les gens savent sur moi, mieux c'est. Je gère ma colère beaucoup par l'humour et le cri. Les émotions, ça se contrôle. Je dirais que oui. Autant la tristesse que la colère, c'est des émotions que si je fais semblant puis j'essaie juste de patauger puis de garder les oreilles hors de l'eau, ça marche pas. Faut comme que je me laisse couler puis que j'atteigne le fond du baril. Puis avec ce fond de baril-là, c'est là que je réussis comme à prendre appui pour me pousser vers le haut. Je pense pas que les émotions, ça se contrôle. Parce que, par exemple, on peut pas contrôler avec qui on tombe en amour, par exemple. Les émotions, c'est quelque chose qui nous fait pleurer, ben, on va ressentir une peine automatiquement. On va essayer de la cacher, mais on sera pas capable nécessairement. Ça va paraître quand même dans notre visage puis dans notre non-verbal. On a l'impression, des fois, là, qu'il y a certaines émotions qui sont juste désagréables puis que ça sert à rien. Mais chaque émotion a son rôle. Avec les émotions positives, on peut les relier à des passions. Cette sensation de vivre, si vous voulez. Et je trouve que c'est très, très important de les relier ensemble professionnellement et psychologiquement parce que ça permet de savoir on est qui.